Bonjour les enfants, c'est bientôt le 1er avril. J'ai donc eu l'idée de réaliser un poisson avec des fils. Je vous présente le matériel. De la cartonnette, j'ai récupéré l'intérieur d'enveloppe. J'ai déjà préparé de quoi réaliser les petits décors autour du poisson. Voilà, vous voyez, j'en ai deux. Voilà. De la cartonnette, la forme d'un poisson, n'oubliez surtout pas les petites languettes, vous allez voir, elles vont nous servir. Il est découpé, celui-ci, c'est pareil, il est découpé. Voilà, alors celui-ci, j'ai découpé le contour avec des ciseaux crantaires. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous faites comme celui-ci. J'approche un petit peu. J'ai découpé, j'ai fait des petits traits, vous voyez, tout autour. Et avec mes ciseaux, j'ai coupé des petites fentes, comme le modèle présenté au début. À partir de là, vous prenez quelques fils. Vous voyez, j'ai sélectionné quelques cotons ou de la laine, hein, peu importe. Et à partir de là, vous allez tourner. Les coches vont vous permettre de glisser votre fil et à votre gré, voilà, vous allez pouvoir, les ciseaux, mettre les petits brins de fil que vous voulez. Voilà, vous en mettez autant qu'il vous convient. Hop, voyez, ça se glisse et l'encoche permet de maintenir votre fil. Alors ça, c'est une activité, les petits, les grands, tout le monde peut faire, surtout que c'est pour le 1er avril. Voilà, regardez si c'est mignon. Voilà, je coupe, j'en mets un autre. Je peux même repasser si je veux sur une encoche déjà utilisée, vous voyez. Hop, là j'irai pas plus loin. Et un troisième brin. Alors le mieux c'est d'utiliser toutes les encoches, bien sûr. Votre poisson n'en sera que plus joli. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Celui-ci, on va l'arrêter comme ça. Je vais y mettre un bout de scotch pour bloquer les brins. Voilà. Même un deuxième parce que autrement, ça risque de se sauver. Voilà. Un peu de colle. Devant, derrière. J'ai donc prédécoupé pour aller plus vite la petite queue du poisson et sa bouche. Voilà, toujours avec une enveloppe de récupération. Regardez comme il est beau. Et j'aurais dû également, mais je peux le faire maintenant, pour vous permettre de l'accrocher dans le dos de papa, de maman, de votre grand frère, de votre grande sœur, un petit fil. Et puis ce joli poisson, vous pouvez toujours le récupérer ensuite pour faire une peinture. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose avec un ciseau crantaire. Hop, voyez, j'avais aussi prévu pour celui-ci la queue, la bouche. Sont jolis mes petits poissons. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Et voilà. Il lui manque le quadrillage de fil. Je vous laisse le faire à votre tour. Voilà. Amusez-vous bien. À bientôt.